La paix sur vous, les Rajouls. J'espère que cette vidéo vous trouvera en forme, en pleine santé. Ça fait un bail, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéo. Sorry, les Rajouls. Sorry, sorry, sorry. J'ai pas mal de taf ces derniers temps. Notamment, il y a deux choses qui sont importantes. Première chose, si tu veux me retrouver, si tu veux me rencontrer, retrouve-moi au Décathlon de Cergy dans le Val d'Oise tous les mardis soirs de 18h à 20h. D'accord? On peut se voir, tu peux tester des entraînements, tester des équipements. N'hésite pas à venir. Il y a un espace de cross-training là-bas. J'assure deux séances. Une première séance avec une thématique lambda de 18 à 19. Et de 19 à 20, c'est préparation, course d'obstacles, type Spartan Race. D'accord? Donc n'hésite pas à venir, me rendre visite, seul ou en équipe. Voilà, juste prépare ton certificat médical. Et si jamais tu n'as pas de certificat médical, bah, je suis obligé de te faire signer une décharge sur place. Donc voilà, ces ateliers sont réservés aux majeurs uniquement. Par contre, si les mineurs veulent passer me voir, n'hésitez pas à venir me poser vos questions, etc. Il n'y a pas de souci, les Rajouls, vous êtes tous les bienvenus. Deuxième chose, si tu veux avoir ton programme forme, santé, bien-être à faire chez toi, changer de mindset avec des conseils nutritionnels, etc., clique en dessous, un Rajoul tout neuf en 5 jours. 5 jours pour changer d'état d'esprit, te reprendre en main, te remotiver, te rebooster. Et à l'issue des 5 jours, tu recevras un programme de 4 semaines gratuit qui va t'accompagner pendant les 4 semaines avec des vidéos, etc. Programme de remise en forme avec des exercices de renforcement, des exercices de musculation, etc. Donc, l'actualité, mon Rajoul, Khabib Nurmagomedov, tac, Bruce Buffer, je le check. Donc, Khabib a gagné face à Conor McGregor. Je vais être honnête avec toi, j'ai une petite préférence, une grosse préférence, je vais être honnête. Pour Khabib, je suis vraiment content qu'il ait gagné. Voilà, parce que honnêtement, Conor, j'apprécie, mais un truc de fou, son système de combat. La manière dont il combat, je kiffe totalement, mais je suis pas fan de l'homme en fait. Voilà. Pour moi, il a été un petit peu trop loin. Après, c'est autre chose sur le pré-fight. Dans les débats, etc. Voilà, pour moi, on est quand même dans le domaine des arts martiaux, des sports de combat. Il y a un certain respect à avoir quand même. On peut faire le show, etc. Mais il y a des limites, je pense, à pas dépasser. Ça, c'est important de les conserver, mes Rajoul. Voilà, parce que sinon, c'est tout et n'importe quoi. Donc là, pour ce soir, on va parler de Khabib Nurmagomedov et de sa diète. Parce que comme tu le sais, mon Rajoul, pour performer ou pour tout simplement être en bonne santé, ce qui va faire le boulot, c'est tchac, le mindset, le mental, tchac, le corps, ce que tu vas faire comme travail de sportif, de préparation, etc. Et puis, ce que tu vas ingérer, tout simplement. Ça va quand même être très, très important. Ça va occuper une grande partie. Enfin, c'est ce qui va beaucoup conditionner le résultat. Donc, Khabib a une diète, on va dire. Bon, déjà, faut s'intéresser à la personne. Donc, il a grandi et vécu très longtemps dans une région de Russie qui s'appelle le Daghestan, une région assez verte, donc avec pas mal d'espaces verts, pas mal de. C'est assez montagneux, donc l'air est assez pur. Donc, ça c'est quand même assez intéressant justement de grandir là-dedans par rapport à des personnes qui ont pu grandir dans des villes polluées, etc. Forcément, bah, c'est une ville où bah, tu as l'agriculture qui est. Voilà, qui est sur place, peu voire pas d'utilisation des pesticides à l'époque. Hein, je ne dis pas aujourd'hui, maintenant tout se généralise, mais en tout cas, je pense que ça a dû faire la différence aussi pour construire quand même un terrain qui soit favorable. D'accord? Je ne pense pas que Khabib ait un terrain aussi. Enfin, a eu les causes pour avoir un terrain Allah plus claqué que celui de.